Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle José et aujourd'hui, nous allons parler d'isolation, plus précisément de la coupe de matériaux isolants avec la scie ISC240. Voici un matériau isolant flexible à base de fibres de bois. Je souhaite vous montrer un accessoire, le chariot de guidage. Il est simplement monté sur l'outil de coupe. Il est fixé avec ce levier. On peut maintenant réaliser une coupe guidée sur une surface lisse, comme ce panneau de bois. J'ai déjà fait un marquage. Je me place en dessous. Et voilà une belle coupe droite le long du trait. Et le travail a été réalisé très rapidement. Pour obtenir une coupe droite, je peux placer le chariot de guidage sur le rail de guidage Festool. Le chariot de guidage comporte deux rainures dans la partie inférieure. Elles fonctionnent dans les deux sens. Je peux ainsi couper sans difficulté un matériau isolant. Installer, ajuster, et c'est parti. Comme vous le voyez, nous avons un résultat de coupe parfait. Ça fonctionne sans difficulté et la coupe est droite. Néanmoins, vous n'obtiendrez ce résultat parfait que si vous utilisez une lame bien aiguisée. Pour cette raison, je vous montre maintenant comment remplacer la lame. Seule la lame mobile est remplacée. Il suffit de la soulever et de la retirer, et puis d'insérer la nouvelle lame. En insérant une nouvelle lame de scie, il est très important de régler à nouveau la hauteur de la lame. Je vous ai déjà montré comment faire dans une autre vidéo. Comme ça, vous obtenez un résultat de coupe parfait. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt. José.